monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Sandra Idriss et je représente le club de journalistes de l'Alliance française de Fombolim. Je voudrais vous demander pourquoi ce soir à l'Alliance, il y a beaucoup de monde. Eh bien, ce soir à l'Alliance, en fait, la fête nationale du 14 juillet, la fête nationale française. Et ce que je voudrais vous demander aussi, c'est quoi un consul? Un consul, c'est un représentant d'un pays donné, dans un pays donné aussi. Et pour ma part, je représente la France, je suis le consul honoraire de France à Fombolim. Donc je représente la France ici, à Fombolim, Moyenne. Au moment où je m'adressais à vous, à cette même place, un président, celui de l'Union des Comores, venait d'être élu, et un autre, celui de la République française, s'apprêtait à l'être. Et avec cette nouvelle donne, de nouvelles voies de coopération s'offrent à nos deux pays, notamment avec la volonté du président Macron de poursuivre et d'intensifier l'aide au développement des Comores. Monsieur, comment s'est passé le discours, c'était celui de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France aux Comores. Donc c'est un très bon discours pour axer sur le développement des Comores et la volonté aussi de la France à soutenir les Comores, comme on le fait souvent.